هذا هو الديسك الاول هذا تاع طريق الليسي لا لا حتى سي 71 كنا نديروا لا ميوزيكا فرونك على لا شانو كلشي افون شي بان ما يهضر شي بان ما تهضرش مي كنا صغار واه تو تو فير وي الى جوي توت لي ميوزيك توت لي ميوزيك كي ليكزيست فيها كارد دو طون هذا كارد دو طون راك فاهم كاين الغنيات اللي ما كيما لاكوردون هذه ما فيهاش كارد دو طون هذا فيه الكارد دو طون يلعب به بالكارد دو طون Le quart de temps, c'est descendre une note, une gamme d'une note. C'est au niveau des Européens, c'est la fausse note. Mais c'est le quart de temps parce que c'est comme le luth là qu'il a montré. Il y a pas de case. On peut se permettre de faire un. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le quart de temps. C'est comme le violon. Le violon, il n'y a pas de case. Le mec il peut jouer où il veut. Il peut poser son doigt où il sent, où il y a une mélodie. C'est plus facile. C'est on joue ce qu'on sent. Voilà. Escoran est toujours la capitale du rail. Ah oui. À jamais. Mais trop. Toujours la capitale du rail. Il te lance un aéro. Est-ce qu'il te lance un aéro ou il est où? Il est où, bien sûr. Bien sûr, mamie, il est où? يا حسني راه يخدم هنا يروحوا لي الشاب الصحراوي فضيله يخدموا هنا يروحوا له خالد ما ولاش مازال خالد ما ولاش باسكو خالد ما ولاش باسكو تعجبوا لا ليبرتي يبغي يبغى تما اللي بلي ليبر على هنايا خالد دابور سي اون فوا assez exceptionnel qu'actuellement n'a pas pu être remplacé. C'est un enfant qui a grandi dans des quartiers assez populaires et qui connaît tout bien cette jeunesse. Il connaît un petit peu leurs besoins, leurs revendications et il a pu les exprimer dans la chanson. Puisque la chanson Rai est beaucoup plus axée sur le côté relation homme-femme. Les gens pensaient que c'était mal, que c'était contraire aux valeurs morales, etc. Or, les phrases, qu'elles soient dites en arabe classique ou bien en langue jordanais, symbolisaient la même chose et ils avaient la même signification. Et aussi, Khaled a su leur insuffler un petit peu cet esprit de liberté et d'amour. Dans la société algérienne, les enfants, surtout les adolescents, en sont plus ou moins privés. Khaled, aujourd'hui, je pense qu'il est en train d'atteindre son apogée. Mais il se détourne du rail. La chanson est beaucoup plus travaillée pour un public occidental et non pas algérien. Pour lui, c'est occidentalisé. Tu t'es sorti de l'âme du rail. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, non. Pour moi, non, je ne suis pas sorti de l'âme du rail. Je suis toujours dans la musique rail. Je l'améliorais. Toujours. Je ne veux pas la trahir, cette musique. Je n'ai pas droit et je l'adore. Voilà, c'est le mot. Ça, c'est moi.
nous l'aimons beaucoup, n'est-ce pas? Il nous manque. Et on espère le voir sur scène à Oran, au Théâtre de Verdure, devant son public, le plus tôt possible. Khaled, il est sorti un petit peu de l'ordinaire. Ouais. Bon, que les gens disent qu'il a perdu quelque chose avant ça, c'est normal. Mais pour les stars européennes, quand une star quitte son pays natal, c'est les gens de son pays qui commencent à dire des choses à tort et à travers, c'est normal. Parce qu'ils ont quand même un petit peu de... Ils sentent qu'ils ont perdu quoi, quelque chose. Parce qu'ils avaient un bijou entre leurs mains, ils n'ont pas su quoi faire. Et quand cette star progresse ailleurs, ben, ça leur fait mal au cœur, c'est normal. Sur l'album, il y a un morceau qui est en français. Je n'en voulais pas, alors ça a été comment ça? Ah ouais, ça a été... Original. Ouais, original. Parce que c'était du français chanté à l'oranais. Et c'est vrai. Ouais, du français, mais à l'oranais, quoi. Vous pensez que cette chanson lui ressemble? Allez, dis-le! Parce que c'est un mec qui est tout le temps en train de parler de ses souffrances. Et qui est en train de, je sais pas, d'éjecter plein de sentiments, quoi. Il parle tout. En fait, on sent que ce personnage a été vraiment persécuté à un moment. Il en avait marre de subir le système. C'est ça. Ça lui ressemble. Ils n'ont pas mon âge, ils connaissent pas ma vie, mais carrément ce qu'ils disaient, c'était... Ça m'a donné la chair de poule. Alors je te jure, quand j'ai écouté ça, quand j'ai écouté, j'ai vu comment ils chantent le rap. Je me suis dit, ça fait plaisir là, de regarder des jeunes qui font autre chose. C'est ça qu'on a perdu. Alors, j'espère qu'on va la retrouver. Ce que je vois là, c'est super. Tiens, on y va. On va voir qu'est-ce qui se passe. Khaled, le pro de l'impro, capte le micro à l'aise. Balé sur ce tempo, donc tu t'installes. Sans être brutal, phénoménal. Tu viens du sud, d'accord? Mais tu habites le quartier nord, Paris. Peace. Moi, personnellement, quand je suis en famille, je peux pas l'entendre. Ça y est, il est plus qu'européen pour moi maintenant. Il a plus honte, il chante comme n'importe quoi. Pour moi, il est trop vulgaire. Et vous pensez que son succès est lié à quoi? Pour moi, il a aucun succès. Hein. Pour vous savoir son succès, vous demandez à la jeunesse. Hein. La jeunesse, eux, ils vont vous dire ça. Bien parlé. Mais pour moi, quand je le vois, j'ai envie de gueuler. Oh, oh là là. Croyez-moi pour vous dire, l'oreille, je ne l'aime pas. Peut-être c'est l'âge. Hein. Et d'autres choses. Moi, si vous me faites, admettons, une musique orientale ou une musique folklore comme Cheikh Abdelmoula, si vous voulez, Cheikh Memachi, j'ai ça, oui, ça, j'écoute bien. Tech. Il a envie d'écouter autre chose, on ne peut pas l'interdire. Mais le fait qu'il dit le rail vulgaire, moi, c'est ça que j'admets pas. C'est le mot que j'admets pas. Mais je ne sais pas, mais tout le temps, je l'ai dit quand ils l'ont dit, quand j'étais bien connu en 85, quand je suis passé par la télévision algérienne, quand tout le monde me regardait par TV, il y avait des critiques des journaux qui disaient Khaled vulgaire, il y avait un gros plan. Mais après, moi, j'ai réagi, j'ai dit, où est-ce qu'elle est la vulgarité? Montrez-la-moi. No.